Bonjour et bienvenue à Comment faire cuisiner comme un vrai homme masculin. Je suis votre présentateur, Léon Le Boucheron. Est-ce que votre femme a obligé vous à cuisiner encore? Je vais vous enseigner comment le faire sans devenir trop féminin. Cette fois, votre femme m'a demandé que vous fassiez le gratiné lyonnaise. Bientôt, nous allons émincer les oignons. Mais avant que ça, nous devons choisir un couteau. Non! 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 Oui, c'est ça! Alors, maintenant que nous avons notre couteau, nous devons émincer ces oignons! Nous avons besoin d'un kilo d'oignons. N'oubliez pas, s'il vous plaît, quand vous coupez les oignons, vous n'êtes pas un vrai homme. Parce que je suis un homme, quand je coupe un oignon, je m'imaginais qu'il est en os que je dois tuer. Ah! Mourez! Mourez! Oignon stupide! Mourez! J'ai préchauffé le grill à four à thermostat 6 et actuellement je fais fondre 30 grammes de beurre dans ce casserole. Maintenant, nous mettons les oignons dans le casserole avec le beurre et les manger jusqu'ils sont dorés. Pendant que nous l'attendons, il faut couper ses baguettes en croûtons. Je pense que nous avons besoin d'un plus grand couteau. Non, non, ce n'est pas permis! Les oignons sont dorés. Maintenant, nous ajoutons 2 litres d'eau. Maintenant, nous mettons ces croûtons sur le grill à four jusqu'ils sont dorés aussi. La soupe est presque prête, donc je râpe 300 grammes de gruyère. Maintenant que les croûtons sont prêts, nous recouvrons les formes de nos soupières avec les croûtons et le gruyère. Puis, nous ajoutons la moitié de la soupe. Et ajouter plus des croûtons et du gruyère. Finalement, nous ajoutons le reste de la soupe et les mettre sur le gruyère à feu. Jusqu'ils sont dorés. Finalement, nous mélangeons 10 centilitres de Porto et 2 œufs dans un bol.
peux trouver. Donc, nous le prenons et ajoutons un peu de la mélange avec le porto. Et finalement, c'est fini. Maintenant, nous pouvons, je ne sais pas, regarder les sportifs et boire les bières. Au revoir.